Et parfois, la victime peut être tourmentée par plus d'un démon. On parle alors de transmission. Trans quoi ? De quoi tu causes, cousin ? Père Williams, surveillez votre langage, vous êtes un homme d'église. Ça va, merde ! Attendez, c'est pas comme si je violais encore des jeunes hommes, quand même. Sans blague. Continue avec ta petite leçon, cousin. Dans certains cas, les victimes ont même brisé leurs propres os alors qu'elles étaient possédées. C'est vrai, ça m'est arrivé une fois. Quand je suis arrivé en prison, j'essayais de me sucer tout seul, tu vois. Ouais, je connaissais encore personne. Non, c'est clair, quoi, parce que sinon j'aurais pas eu besoin de le faire tout seul. Et c'était pas un truc gay, d'accord ? Sortez-vous ça du crâne tout de suite. Ça suffit, j'en ai par-dessus la tête de votre insolence ! Attends, ma quoi ? Mon insolence ? Attends, tu parles de ma maladie, là, cousin ? Tu veux qu'on parle de mon diabète, cousin ? Tu me parles de mon insolence ? Parce que j'aime les gâteaux ! Ouais, j'aime les gâteaux, les gars. Les gâteaux d'anniversaire, j'adore tous les gâteaux. J'aime ça, les gâteaux. Et alors ? Tu sais quoi, cousin ? J'en ai marre de ta gueule. Oh, merde ! Dégagez d'ici ! Allez, tout le monde dehors ! Et prenez votre gars avec vous ! Ouais. Sans blague, merde. Ouh. Malcolm ? Hé ! Père William ! Merde, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ce nom à la con ? Pardon, désolé. Hé, Doug ! Viens là, vieux frère. Ouais. Désolé que t'aies assisté à ça. J'étais à bout de nerfs avec ce couillon. Ouais, j'ai dû... J'ai saigné ce bouffon. T'as tout vu, hein ? Non, j'ai rien vu du tout. Voilà, excellente réponse, excellente réponse. Non. Non, parce que si t'avais tout vu, si t'avais répondu quoi, je t'aurais... Ah non, arrête. Des calmes, j'avais qu'une lame sur moi. Oh. Avant, j'avais deux lames, mais maintenant, tout ça, c'est du passé. On m'avait surnommé Deux Manches, et ça devenait assez lourd, tout le monde me chantait Deux Manches. Ouais, alors, comment tu vas ?